Merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier la Société marocaine de rhumatologie, son président et toute la société marocaine, les anciens, les nouveaux, parce que je n'ai que des amis au Maroc, et pour m'avoir permis de parler aussi d'un sujet que j'aime beaucoup, la podologie. J'étais l'année dernière pour parler des métatarsalgies. Cette fois-ci, je vais parler de l'arrière-pied, c'est-à-dire d'étalalgie. Si on veut dire arrière-pied, c'est l'étalalgie. Et l'étalalgie, c'est tout un monde. C'est tout un monde parce qu'il y a de multiples causes qui causent des douleurs de l'arrière-pied. C'est un motif très fréquent de consultation. On dit que ces douleurs touchent environ 10% de la population à un moment donné de leur vie. Et ces douleurs, qu'elles soient inflammatoires ou mécaniques, ce qui est un peu différent, et j'aimerais bien que vous reteniez ça, un peu différent des douleurs inflammatoires articulaires. Les douleurs inflammatoires articulaires augmentent la nuit. Il y a le dérouillage matinal. Le dérouillage matinal, ou le dérouillage après une position assise, se voit, que ce soit dans l'étalagie mécanique ou inflammatoire. Et l'étalagie inflammatoire ne réveille pas le malade la nuit. C'est un peu différent et c'est toujours une petite différence qu'il faut connaître. On ne peut pas différencier rien que par la douleur, le type de douleur, à moins que ce soit un dérouillage lent. Et dans ce cas-là, c'est net, c'est inflammatoire. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc, et cette douleur peut devenir invalidante. On marche sur le pied, sur le talon. Et donc, si on a très mal, ça peut être gênant et très invalidant. Ce n'est pas pour refaire l'anatomie, bien sûr, mais pour dire que l'arrière-pied, c'est en arrière de la chopard. Et l'articulation la plus intéressante ici, la sotalienne. Pourquoi la sotalienne? Parce que c'est une articulation qui est méconnue par nous, rhumatologues. Et quand on a des douleurs de la sotalienne, souvent, c'est mal diagnostiqué. Je parle quand on revoit les malades. Et la sotalienne, j'aimerais bien que vous reteniez la sotalienne dans ce topo. En plus d'étalagie mécanique, par épine calcanienne que tous nous connaissons, mais surtout ces douleurs de la sotalienne. Donc, les os, les ligaments, les muscles, tout ce qui peut être là peut être touché. Et tout ce qui peut être touché peut être la cause de douleur. La liste est longue, bien sûr. On ne va pas tout traiter, mais on va voir les éléments les plus importants. La ponéovrosite plantaire, qui donne le syndrome dit de l'épine calcanienne, le pied creux et les tendinopathies calcaniennes, la maladie d'Aglund, la maladie de Sever, les tendinopathies tibiales postérieures, qui sont une cause importante de talalgie, de douleur de l'arrière-pied, et qui on peut souvent, quand il y a des talalgies par tendinopathie du tibial postérieur, si on ne connaît pas, on peut passer à côté et on peut prendre ces douleurs pour des talalgies par épine calcanienne, surtout quand on trouve une épine calcanienne qui est là juste pour l'image et elle n'est pas la cause. Le syndrome du canal tarsien peut donner des talalgies postérieures par l'atteinte de nerfs calcaniens. Le syndrome du sinus du tarse, je ne reviens pas. Et puis, la fracture de fatigue, les sinustoses du tarse. Les ostéites, la maladie de Paget, les tumeurs, la talonnette, l'atrophie du capitan talonnier et la pathologie de la queue du talus et aussi les douleurs projetées d'étalagie dans le cadre de sciatique. Vous voyez, la liste est longue et ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire un catalogue de tout ça. On va voir les éléments qui sont les plus importants de ce diagnostic. L'étalagie plantaire, c'est un motif fréquent de consultation. La cause la plus fréquente, c'est la ponéovrosite plantaire ou syndrome dit de l'épine calcanienne. Nous, les médecins qui s'intéressent aux pieds n'aiment pas le terme épine calcanienne. Je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, la dénomination, on peut l'appeler aponéovrosite plantaire, myo-aponéovrosite d'insertion, talalgie par épine calcanienne, fasciite plantaire, talalgie plantaire commune. Donc, toutes ces appellations veulent dire la même chose. En fait, tout tourne autour de cette aponévrose plantaire. Et regardez cette aponévrose plantaire. Donc, elle va du calcanus jusqu'aux têtes métatarsiennes et aux métatarsiens. Et c'est une continuité avec le triceps sural. Et on parle d'un système suro-achillo-calcanéo-plantaire qui est continu. Et cette continuité va expliquer
beaucoup de choses dans le topo. Cette aponevrose plantaire est très importante. Elle est le principal stabilisateur de la voûte plantaire. Et quand il y a une rupture, bien sûr, le pied va s'affaisser. Elle est atteinte surtout en cas de surcharge. Tout ce qui est surcharge mécanique, tout ce qui est surpoids, tout ce qui est hyper-sollicitation, tout ça va. Toutes ces contraintes agissent sur l'arche médiale du pied, donc sur cette aponevrose plantaire. Et l'effet maximum, c'est au niveau de la aponevrose plantaire sur sa tuberosité calcanienne moyenne, qui, cette aponevrose plantaire, absorbe les chocs, protège les tissus mous, elle a un grand rôle. Et voyez les causes qui peuvent générer une atteinte de la aponevrose plantaire. Bien sûr, l'obésité, l'excès de pronation, les micro-traumatismes sportifs chez l'enfant ou chez le sujet âgé marcheur, la station debout prolongée sur une surface dure, l'augmentation des pressions métatarsiennes, un chaussage inadéquat qui n'est pas souple va entraîner des talalgies. À la langue, il peut y avoir des micro-fissures avec une réponse inflammatoire. On dit aponevrosite, en fait, il n'y a pas tout à fait une inflammation. On peut dire une aponevrosopathie et l'apparition ultérieurement de cette ossification à l'origine de la aponevrose plantaire qui donne cette image d'épine calcanienne et qui, quand on la voit, les malades sont contents, ils ont un diagnostic, ils ont une épine, ils ont une explication à leur douleur. Donc, le début, c'est une dégénérescence collagénique et on va aller vers cette ossification. Les douleurs sont maximum lors de la mise en charge matinale au saut du lit, mais elles ne durent pas autant qu'une talagie inflammatoire, bien sûr. Ça se voit aussi après une position assise prolongée, avec, quand il y a un dérouillage, c'est les maximum d'une demi-heure, donc c'est mécanique. Le port d'un talon, on va voir après, va les améliorer. Pourquoi on en parle? Parce que les malades, quand ils ont des talalgies, quand elles portent un talon, on leur dit, écoutez, vous portez un talon et vous avez des douleurs du pied, mais enlevez vos talons, marchez avec des chaussures plates. En fait, le talon, en déchargeant tout le système suro-achilio-calcanio-plantaire, améliore ces talalgies. Et parfois, les malades sont contraints de porter des chaussures plates qui les gênent encore plus. Les douleurs sont dites mécaniques et elles augmentent en fin de journée. Les malades les comparent à un clou qui perfore la plante. Bien sûr, si en plus ils ont vu l'épine calcanienne, ils vont encore retenir cet élément-là. C'est une douleur d'apparition progressive, parfois invalidante, et parfois elle entraîne une boiterie. La douleur est plutôt médiale, interne. Elle n'est rarement centrale. Elle est reproduite par la pression. Rarement, donc, elle est au centre, mais essentiellement, c'est là où le malade a mal. Et vous pouvez reprendre, en touchant, le malade va dire que c'est sa douleur qu'il ressent habituellement. Toujours, quand on examine le pied, on examine aussi le pied chez le malade allongé, on va examiner la souplesse du pied, et ça va être utile, surtout pour les prescriptions après des orthèses plantaires. En podologie, on met toujours le malade sur un podoscope pour voir l'empreinte du pied, s'il y a un pied plat, un pied creux, si on va corriger, si on va traiter, si on va orthéser le malade. Bien sûr, on profitera pour corriger ces éléments-là. Et on voit aussi s'il y a un valgus de l'arrière-pied, comme chez ce jeune adolescent, ou chez cette dame adulte. L'examen dynamique est très utile en podologie, mais ce n'est pas toujours facile à faire. L'examen vidéoscopique, projection au ralenti. Mais pour éviter cette difficulté, on peut demander au malade d'apporter d'anciennes chaussures, et ça va donner une idée sur la dynamique. Regardez, il peut user les chaussures par voie interne, plutôt du côté interne, du côté externe, et en avant aussi,
Et ça va permettre d'avoir une idée si le malade marche en varus ou en valgus, en dynamique, mieux qu'en statique. Et si le malade a déjà eu une orthèse, c'est bien de l'avoir. Et regardez ici, vous avez un trou en regard de la tête du premier métatarsien parce qu'il y a un hyperappui au niveau de l'avant-pied. Talagie et épine, oui. Est-ce que c'est l'épine? Est-ce que c'est une épine? En fait, c'est une ossification de l'insertion de l'aponevrose plantaire sur donc, la face inférieure du calcaneus. Et ce n'est que la projection, parce que la radio, on envoie un rayon ainsi, on met une plaque là, et c'est la projection radiologique qui donne l'image d'une épine. C'est une ossification de l'insertion ou sous l'insertion de la ponevrose plantaire. Et donc, ce n'est pas, il faut expliquer au malade que ce n'est pas une épine. Et d'ailleurs, on parlera dans le traitement, les évidements au niveau du talon, on n'y croit pas. C'est surtout d'étendre le système suro-achilio-calcanio-plantaire. La présence de l'épine est inconstante parce que c'est une ossification ultérieure. Et donc, au début, pendant la période inflammatoire, si je peux m'exprimer comme ça, elle n'est pas calcifiée, elle n'est pas ossifiée. Et donc, vous n'allez pas trouver une épine. Et donc, ça ne sert à rien de chercher l'épine pour l'épine. On y reviendra. Et cette ossification se fait par tension excessive sur l'origine de la ponevrose plantaire, sur le calcaneus. L'épine, elle peut être fine, à contour bien limité, elle peut être plus grosse. Et ça, c'est l'épine à base d'implantation large, fait penser à une spondylarthropathie. L'épine calcanienne dans la spondylarthropathie, la pathologie essentielle, donc l'élément essentiel dans l'ospondylarthropathie, c'est l'apparition de cette entésopathie, cette entésite. Et l'épine calcanienne est une entésopathie. L'entésopathie des talalgies qui se voient dans les talalgies par rhumatisme spondylarthropathie, les spondylarthrites plutôt, la base est large. Là, la base est plutôt fine. Et on peut avoir une tendinopathie calcanienne associée. Donc, la radio, est-ce qu'elles sont indispensables? Non. Pourquoi donc on ferait des radios? Un malade qui a des talagies, il passe automatiquement à la radio. Ici, de toute façon, on va avoir. Le diagnostic va être plutôt clinique. Pourquoi ferons-nous des radiographies? D'ailleurs, puisque normal, elle n'élimine pas le diagnostic. C'est surtout pour rechercher les éventuels diagnostics différentiels. Imaginez quelqu'un qui a une fracture de fatigue, une ostéite tuberculeuse du calcaneus, une maladie de Paget, il peut avoir des talagies, tout ce qu'il y a de plus mécanique, et vous allez donc passer à côté, et ce n'est pas normal de passer à côté d'un autre diagnostic, même si le traitement au début n'est pas très différent. Mais quand il y a bien sûr, une pathologie infectieuse, il faut savoir la diagnostiquer précocement. Donc, on fait, nous, toujours une radio, mais pas pour chercher l'épine calcanienne, pour surtout éliminer les diagnostics différentiels. L'échographie est très utile. Maintenant, tous les rhumatologues se mettent à l'échographie, c'est très bien. Et ça montre un épaississement donc de la ponevrose plantaire avec un aspect hypoécogène. Et parfois, on a une hyperémie au Doppler et l'échographie va permettre aussi de rechercher s'il y a une complication qui est la déchirure de la ponevrose plantaire. L'IRM aussi, on ne fait pas d'IRM bien sûr pour rechercher, mais si c'est fait ou si on cherche d'autres diagnostics, on peut voir bien sûr la ponevrose et on peut voir, là ce n'est pas le cas, c'est normal, mais on peut avoir une des anomalies de signal au niveau du calcaneus. L'étalagie du pied creux est une partie importante des douleurs du pied creux. L'étalagie, en fait, pourquoi un pied creux fait mal, à votre avis?
La surcharge sur les têtes métatarsiennes donc, participe aux douleurs du pied creux en donnant des métatarsalgies. On est tous d'accord. Et au niveau de l'arrière-pied, un pied creux fait mal. On est tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que les malades viennent. Mais pourquoi un pied creux fait mal? Les métatarsalgies, oui, tout à fait. Mais aussi, les pieds creux, un des éléments importants du pied creux, c'est un accourcissement du système suro-achilio-calcanéo-plantaire dans le tendon calcanien. Et cet accourcissement ou raccourcissement, les podologues aiment mieux le terme accourcissement, va entraîner une traction sur le tendon calcanien. Ça va donner des talalgies par tendinopathie calcanienne. Ça va donner des talalgies par hyper sollicitation au niveau de l'insertion du tendon calcanien tout autour du calcaneus. Ça va donner des talalgies en couronne. Mais aussi, comme on a dit, c'est le système suro-achilio-calcanéo-plantaire et continu. Ça va donner des tractions au niveau de la porose plantaire. Et ça va donner les talalgies plantaires avec apparition progressive de cette épine calcanienne. Donc, le pied creux a beaucoup de raisons pour avoir des talalgies à la fois postérieures, en couronne et plantaires. En fait, on avait dit que le pied creux a un accourcissement du tendon calcanien, donc normalement, le pied creux marche sur la pointe des pieds. Et d'ailleurs, Brown disait, les pieds creux, ce sont des coureurs chroniques. Tout le temps, ils sont sur la pointe des pieds. Ils se mettent sur le talon, bien sûr, comme tout le monde. Ils ne vont pas marcher sur la pointe des pieds. Et quand ils se mettent sur le talon, ils vont tirer sur le système suro-achilio-calcanéo-plantaire et sur le tendon calcanien. Et ça va donner parfois des déchirures. Et les déchirures du pied creux, du tendon d'Achille dans le pied creux, sont beaucoup plus fréquentes que si on n'a pas de pied creux. Regardez cette dénivellation spontanée entre l'arrière-pied et l'avant-pied. Et regardez là, une petite nodule, une petite tuméfaction, c'est un tendon calcanien en pré-rupture. Il faut y penser. Et cette pré-rupture doit être traitée efficacement pour éviter de voir apparaître une rupture. Donc, les tendinopathies calcaniennes donne des talalgies postérieures, parce que ça peut être dans le pied creux, mais ça peut être aussi les tendinopathies calcaniennes en dehors du pied creux. Et le sport est fréquemment en cause. Et un des facteurs importants favorisant, c'est l'accourcissement du tendon calcanien et le valgus de l'arrière-pied qui favorise, même en dehors du pied creux, favorise l'apparition de talalgies postérieures. Et ces tendinopathies calcaniennes vont donner des talalgies postérieures par atteinte soit du corps du tendon, des gaines péritendineuses, des bourses séreuses en avant et en arrière du tendon calcanien. Ça peut être une tendinopathie d'insertion, comme on avait dit tout à l'heure, et ça peut être des douleurs par atteinte au niveau de la jonction myotendineuse. Donc, ces tendinopathies calcaniennes sont la cause la plus fréquente des talalgies postérieures. C'est 30 à 50% des lésions liées au sport. Les sportifs payent un lourd tribut à cette pathologie-là. Ça peut être aussi inflammatoire. Et bien sûr, quand c'est un sportif ou donc avec une surcharge par hyperpoids ou par surutilisation, ça va donner des micro-traumatismes répétés au niveau du tendon calcanien. On avait vu les douleurs mécaniques, les douleurs inflammatoires, que ce soit donc dans les sollicitations, dans les spondyloarthrites, dans la polyarthrite rhumatoïde aussi, mais aussi des tendinopathies calcaniennes d'origine médicamenteuse que la plupart des rhumatologues connaissent. L'équinolone, ça augmente de façon importante le risque de tendinite. Ils sont dose-dépendants, le plus souvent à l'atteinte bilatérale. Elles touchent surtout le sujet d'un certain âge après 60 ans et l'association de corticoïdes peut favoriser
l'apparition de ces tendinopathies calcaniennes. Les statines aussi, ça peut donner aussi des talagies. Il faut, par tendinopathie calcanienne, il faut y penser et changer, s'il faut, si possible, le traitement. Est-ce que les corticoïdes donnent des atteintes du tendon calcanien? C'est pas sûr, mais ça fragilise un peu peut-être le tendon. En tout cas, les infiltrations de corticoïdes, il faut essayer de ne pas les faire pour tout ce qui est tendinopathie du pied, parce que ça expose à la rupture, et donc on évite presque toujours l'utilisation d'infiltrations de corticoïdes. Regardez, donc il y a des douleurs, bien sûr, mais à l'examen, vous voyez, ça, il est normal, le tendon calcanien est normal, là, il est épaissi et il est douloureux à la pression. Et cette douleur augmente quand on met en tension un tendon, comme toutes les tendinopathies, et quand on marche sur la pointe du pied, ça va mettre en tension donc le tendon calcanien et ça va donner des douleurs. Donc, on peut avoir une inoxostose, mais elle est inconstante, et le traitement est essentiellement reposé, comme pour tout ce qui est talalgie, reposer le système suro-achilio-calcanio-plantaire. Les médecins du sport s'intéressent beaucoup à l'apport hydrique, diminuer les apports protidiques. Il faut toujours traiter les foyers infectieux parce que ça favorise l'apparition des tendinopathies et la correction éventuelle de gestes sportifs chez les sportifs. La kiné est très utile, on verra dans les... quand on reverra le traitement des talalgies, très utile, la cryothérapie, le strapping et les massages transverses profonds peuvent aider ces malades. Les rhumatologues, nous, quand il y a une douleur, quand il y a une suspicion d'inflammation, et on donne des antalgiques et des anti-inflammatoires non stéroïdiens, surtout à la phase aiguë. Les orthèses plantaires, surtout pour... Donc, diminuer cette surcharge sur le tendon calcanien, et pour diminuer la surcharge, on va essayer de le reposer, on va asseoir le talon en mettant une cale, une talonnette de 10 mm, 10 mm, parce qu'au-dessus de 10 mm, le pied peut sortir de la chaussure, et donc on aimerait bien mettre plus, et on met 10 mm, pour la femme, 8 mm, parce que le contrefort des chaussures féminines est généralement plus bas que le contrefort des chaussures masculines. Et donc, on met le maximum, en tout cas, en matière de talonnette dans l'orthèse plantaire. Par contre, la femme a l'avantage de porter un talon. Un homme ne peut pas porter un talon. Et le talon, quand on porte un talon pas pointu, un talon qui est de 2-3 cm à base large, ça va aider beaucoup les talalgies, surtout par la tendinopathie calcanienne. Maintenant, on utilise beaucoup le PRP. Beaucoup de rhumatologues se mettent au PRP. C'est utile, c'est une bouillie de facteurs de croissance. Et certains donnent de bons résultats. Donc, c'est aussi une possibilité donc, pour traiter les talalgies. Les ultrasons, l'immobilisation, mais immobilisation uniquement quand il y a... des talalgies rebelles et immobilisation, c'est-à-dire porter une botte plâtrée en équin. La dame que vous avez vue tout à l'heure avec la pré-rupture, avec le nodule au niveau du tendon calcanien, c'est une enseignante à la faculté de médecine de Tunis. Et cette dame-là, on lui a fait porter une talonnette. Elle ne s'est pas améliorée. On l'a plâtrée pendant 3 semaines en équin, et elle a guéri de cette allergie et elle n'a pas fait de rupture du tendon calcanien. Quand il y a un échec du traitement médical, on peut toujours faire des gestes chirurgicaux, le peignage, les orthopédistes font le peignage des tendons calcaniens et ça peut soulager les malades. Donc, talalgie par syndrome dit de l'épine calcanienne, talalgie par tendinopathie calcanienne, qu'elle soit tendinopathie toute seule ou associée à un pied creux, dans le cas d'un pied creux, mais aussi il y a d'autres causes. Il y a les conflits avec la chaussure, avec le contrefort de la chaussure, qui sont donc une cause de talalgie
postérieure de douleur de l'arrière-pied. Cette allalgie sont dues à ce conflit, et le conflit parfois il est dû à des anomalies congénitales du calcaneus, la maladie de Hoeglund, ou par des ossifications tendineuses, par des rhumatismes inflammatoires. Dans le cas de rhumatisme inflammatoire, de la partie postérieure du calcaneus, et ça donne des conflits avec la chaussure, avec la possibilité d'irritation cutanée, et surtout des bursites rétro-aquiliennes qui peuvent être très gênantes et visibles même. Regardez la bursite et regardez cette excroissance osseuse au niveau donc du calcaneus, qui est donc cette maladie d'Hoeglund. Regardez donc excroissance. Et donc, c'est une anomalie au niveau du calcaneus qu'il faut savoir prendre en charge pour soulager ces malades. Regardez, donc, il y a la bursite, il y a, vous voyez bien, ce conflit avec le contrefort de la chaussure. Donc, là, les conseils de chaussage sont très importants pour faire une tige au niveau de la partie postérieure, un contrefort de hauteur suffisante, éviter les contreforts rigides parce que ça irrite donc cette région-là. On peut protéger le tendon calcanien et cette région par le port d'une orthèse, une coque talonnière. Il y a plusieurs moyens. On peut faire tout simplement un padding, c'est-à-dire on peut prendre un morceau de mousse ferme, on le met autour de l'arrière-pied, entre l'arrière-pied et le contrefort de la chaussure, et on peut le trouer en regard de cette zone douloureuse inflammatoire. Et dans certains cas, on peut aller jusqu'à la chirurgie en agissant sur cette tuberosité, une ostéotomie du calcaneus. Donc, les antisopathies calcaniennes par microdéchirure d'insertion du tendon calcanien qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'insertion et qui donne des talalgies en couronne, elles peuvent être uniquement mécaniques ou inflammatoires et s'associent à une bursite aquilienne. Cette bursite aquilienne, donc elle peut être mécanique, oui, mais elle peut être inflammatoire et surtout dans les spondyloarthrites. Dans les spondyloarthrites, il y a donc cette antisopathie et au début, il y a une sorte d'érosion. Et cette érosion, donc, cette zone-là est douloureuse et gênante et a donné des talalgies postérieures. Les talalgies globales, au niveau de l'insertion, talalgies en couronne, dont on a parlé tout à l'heure, les talalgies diffuses, donc par cet accourcissement du système siro-achilio-calcaneo-plantaire qui se voit essentiellement dans le pied creux, avec donc cette douleur au niveau de l'insertion, et on peut les soulager par le port donc d'un talon chez la femme, c'est simple, ou une talonnette dans la chaussure chez l'homme. Le sportif peut aussi souffrir de talalgie par accident sportif, par la talonnette. La talonnette, c'est une réception brutale sur le talon qui va entraîner une attrition du capiton plantaire et des espaces cellulaires graisseux, et ça donne des douleurs intenses chez le sportif, douleur qui est immédiate avec l'impossibilité de la marche donc sur le pied, l'impossibilité même de mettre le pied par terre, c'est talonnette. Chez le sujet âgé, on peut voir l'équivalent un peu par l'atrophie du capiton plantaire, l'atrophie du capiton plantaire qui se fait de façon sénile, donc progressivement, va favoriser donc les micro-traumatismes Ce tissu cellulo-graisseux au niveau de la plante du pied est très particulier. Il nous permet de marcher sur la plante du pied. Or, ce tissu n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire, si vous avez une lésion, par exemple, par brûlure au niveau de la plante du pied, vous ne pouvez pas trouver un autre lieu du corps où vous pouvez prendre une peau pour faire donc remplacer la plante du pied. La plante du pied, le tissu cellulo-graisseux est très particulier. Il permet d'absorber les chocs et de les répartir. Et d'ailleurs, vous voyez quand vous avez une griffe d'orteil, donc la pulpe de l'orteil appuie sur la semelle ou sur le sol, et ça donne une hyperkératose d'appui, parce que cette peau n'est pas faite pour appuyer sur le sol. Elle n'est pas faite pour l'appui. Et donc,
C'est pour ça que quand il y a une atrophie du capiton plantaire chez le sujet âgé, ça peut être la cause de douleur au niveau de l'arrière-pied. On passe donc maintenant à d'autres étiologies. Les fractures de fatigue, que tous les rhumatologues connaissent, elles sont dues à des contraintes élevées. Ça peut être une modification de chaussage, mais surtout, c'est une activité physique soutenue, intense et répétitive. C'est donc la circonstance de diagnostic des fractures de fatigue. Et une personne qui va, par exemple, au pèlerinage à la Mecque, il était sédentaire, et on voit fréquemment, après donc, le retour de la Mecque, des fractures de fatigue. Ça peut être quelqu'un qui ne faisait pas de sport et un jour, une période, il se met à faire du sport. Une dame qui marie sa fille et qui va danser, alors qu'elle était sédentaire, et j'ai vu des fractures de fatigue comme ça. Donc, il faut toujours, quand il y a une activité inhabituelle et répétitive, il faut penser à la fracture de fatigue. Et la fracture de fatigue, c'est vous qui faites le diagnostic. On dit, pour la fracture de fatigue, il faut y penser. Et si vous n'y pensez pas, vous passez à côté du diagnostic, surtout que le radio, au début, est strictement normal. C'est qu'après qu'on voit les éléments radiologiques, bien sûr, il y a l'IRM, l'échographie, qui permettent le diagnostic précoce, mais encore faut-il les demander. L'atteinte du tarse est fréquente, et en particulier de celle du calcaneus est fréquente. L'imagerie, la radio au début, elle est normale, donc il ne faut pas y compter, et la scintigraphie est précoce, mais il y a maintenant mieux que la scintigraphie, l'IRM est l'examen de choix qui va montrer donc ces éléments d'hypo-T1 et hyper-T2 au niveau du calcaneus, et l'échographie, elle montre ce petit hématome, ce petit élément inflammatoire. Parfois, elle peut montrer la fracture, mais ça, c'est suffisant pour porter un diagnostic de fracture de fatigue. Et si vous avez un doute complété par l'IRM, pensez à la fracture de fatigue. Il y a quelques formes latentes, oui, il faut le dire, mais la guérison se fait sous une forme de cale osseux. Et si vous avez traité correctement votre malade, il ne va pas avoir de fracture complète. Si vous traitez correctement, il ne va pas avoir... D'ailleurs, la fracture de fatigue, les médecins du pied ne veulent pas entendre parler de fracture de fatigue. Ce n'est pas une fracture, c'est une atteinte au niveau des travées osseuses. Et Doury, qui est un des grands spécialistes du pied français, c'est un médecin militaire, il voit les jeunes recrues qui étaient donc au repos et qui se mettent à faire des activités physiques inhabituelles et intensives. Ils font des fractures de fatigue. Il n'aime pas parler de fractures de fatigue. Il dit c'est la maladie de Posa, parce que Posa qui a décrit la première. Et la fracture, si elle survient, c'est qu'on est mauvais médecin. Si on est bon médecin, on voit ultérieurement l'apparition donc, des signes de consolidation, de cale osseux, et sans voir apparaître une fracture, une véritable fracture. Encore un cas. Et là, un diagnostic différentiel d'étalagie, un malade qui vient pour d'étalagie plantaire. C'est une maladie de Paget. Faire le diagnostic et faire donc la radio. Et la radio, on avait dit, c'est surtout pour éliminer des diagnostics différentiels. Ce n'est pas grave de passer à côté d'une Paget, c'est plus grave de passer à côté d'une ostéite, tuberculeuse ou autre, de calcaneus. Mais aussi, c'est grave pour un médecin qui se respecte, qu'il passe à côté d'un diagnostic. Donc, demandez la radio uniquement pour chercher les diagnostics différentiels, pas pour chercher l'épine calcanienne. Et si vous la trouvez, vous la montrez au malade, ça va. Il va comprendre qu'il y a une cause de ces douleurs et que, de toute façon, moi, je leur dis, votre épine calcanienne ne va pas disparaître, votre douleur va disparaître. Ne comptez rien sur cette épine calcanienne. Et ce n'est pas une épine, c'est une calcification donc, au niveau de l'insertion du tendon calcanien. Donc, il ne faut pas la mettre, il ne faut pas prendre cette épine calcanienne dans la vie, dire que je garde toujours mon épine calcanienne, donc je garde ma douleur. Et c'est important d'expliquer ça aux patients. Chez l'enfant, adolescent, jeune, autour de l'âge de 11 ans, sportif, on peut avoir
des hypersollicitations au niveau du calcanus, de la partie postérieure du calcanus. Ça peut donner des douleurs intenses et ça va toucher le noyau d'ossification postérieur d'ossification du calcanus et on dit qu'il est fragmenté, qu'il est condensé. Oui, quand on voit qu'il est condensé, qu'il y a des talagies, mais ça peut se voir cet aspect-là, même si le sujet qui n'a pas mal. Donc, est-ce que réellement c'est important de faire une radio? Mais la radio va permettre d'éliminer les diagnostics différentiels. Et si on voit cette condensation au niveau du noyau d'ossification donc secondaire du calcanus, ça va conforter le diagnostic. Le repos, les semelles, toujours la même chose dans l'étalagie postérieure. Et l'évolution est favorable. Habituellement, en 6 à 15 mois, ces malades guérissent, peut-être même spontanément, et ils peuvent reprendre le sport au bout de 2 à 3 mois après la guérison. L'étalagie, il faut toujours penser, quand on a l'étalagie, à la tendinopathie du tibial postérieur. C'est une cause fréquente de talagie. Le tendon tibial postérieur passe derrière la malléole médiale. Donc, et quand il est atteint, donc ça fait mal à ce niveau-là, c'est des douleurs de l'arrière-pied qu'on peut même confondre avec des talagies plantaires. Parce qu'il y a des tendinopathies d'insertion. Regardez, le tendon tibial postérieur va s'insérer au niveau du scaphoïde, du cobuïde, des coniformes. Donc, dans cette région-là, où il y a aussi la douleur de la talagie par épine calcanienne. Y penser, ce tendon est inverseur et c'est l'étiologie la plus fréquente de douleur dans le pied plat. D'ailleurs, on a posé la question tout à l'heure, pourquoi un pied creux fait mal? Et pourquoi un pied plat fait mal? Le pied plat, le pied, il y a une arche médiale. Le tendon tibial postérieur passe derrière la malléole médiale, la malléole interne, et va s'insérer donc là où on a vu. Et quand il y a un pied plat, il va tirer et il peut y avoir une tendinopathie au niveau du corps du tendon tibial postérieur au niveau de son insertion. Et le pied plat fait mal essentiellement par une tendinopathie du tibial postérieur. Le pied plat fait mal essentiellement par une tendinopathie de tibial postérieur. Et donc, si on corrige, si on traite la tendinopathie du tibial postérieur, on diminue les douleurs au niveau du pied plat. Okay? Donc, c'est la théologie la plus fréquente des douleurs du pied plat. Et d'ailleurs, on peut faire le diagnostic au téléphone de tendinopathie du tibial postérieur. Le malade vous appelle, vous dit, docteur, j'ai fait une entorse de la cheville. Est-ce que votre douleur est plutôt externe ou interne? Est-ce qu'on fait des entorses internes de la cheville? Non, c'est exceptionnel. Je dirais non. Donc, si c'est une douleur externe, c'est très probable que ce soit réellement une entorse de la cheville. Mais si c'est une douleur interne, c'est presque toujours une tendinopathie du tibial postérieur. OK? Donc, tendinopathie du tibial postérieur, une douleur interne que le malade ne sait pas exprimer et il faut y penser. Douleur interne au niveau de l'arrière-pied, donc ça donne des douleurs au niveau de l'arrière-pied et c'est donc une cause de diagnostic, un élément de diagnostic différentiel. À l'étape clinique, l'examen clinique est très important en podologie. Où le malade a mal? C'est le tendon? C'est autour du calcanus? Est-ce que c'est plutôt au niveau du trajet du tibial postérieur? On met en tension le tendon tibial postérieur, on reproduit la douleur. Donc, c'est des éléments importants pour faire le diagnostic donc, de ces talagies ou de ces douleurs postérieures. La tendinopathie calcanienne du tibial postérieur peut se voir dans le pied plat, bien sûr, et ça peut se voir en dehors du pied plat. Et cette tendinopathie se voit surtout chez la femme d'un certain âge, en surpoids. Et quand elle a un pied plat et un valgus dans l'arrière-pied, c'est encore donc plus fréquent, et on va faire le testing du tibial postérieur et une douleur à la mise en tension du tendon tibial postérieur. Si on ne trouve pas le tendon tibial postérieur, c'est qu'il est rompu.
Et la rupture du tendon tibial postérieur peut se voir dans le pied plat, mais elle peut être la cause d'un pied plat. Si vous avez un tendon tibial postérieur qui est rompu, l'arche médiale du pied s'affaisse et ça va donner un pied plat unilatéral. Ça donne un pied plat unilatéral parce que la tendinopathie, en dehors du pied plat, le pied plat, il peut donner une tendinopathie bilatérale parce que la surcharge progressive peut se faire de façon de deux côtés. Mais si vous avez une tendinopathie, une rupture du tendon du tibial postérieur d'un seul côté, ça va, peut donner un pied plat unilatéral. L'échographie, bien sûr, nos échographistes rhumatologues maintenant voient donc l'atteinte du tendon et parfois un signe Doppler positif. Le traitement, repos, glaçage, toujours dans les tendinopathies, pas les infiltrations dans le tendon tibial postérieur, parce que ça expose à la rupture s'il n'est pas déjà rompu. Et les orthèses plantaires, ça va permettre donc de reposer le tendon tibial postérieur, puisqu'il y a un affaissement. On va diminuer cet affaissement en faisant un recueil de voûte. On peut associer une talonnette supinatrice pour lutter contre le valgus. Moi, je ne le fais pas. Parce que chez l'enfant, c'est bien, on peut le faire et on peut avoir des chaussures avec un bon contrefort. Parce que si vous faites une talonnette supinatrice, le pied va avoir tendance à sortir de l'autre côté. Et si vous n'avez pas un contrefort ferme, ça va être gênant. Donc si chez l'adulte, vous voulez mettre une talonnette supinatrice, l'obliger à porter des chaussures avec un contrefort qui est ferme. Ce qui est difficile. Donc, moi, je passe je ne fais pas la talonnette supinatrice, je fais le recueil de voûte. Ça va diminuer la tension sur le tendon tibial postérieur et ça va soulager les patients. Le syndrome du sinus du tars. Le syndrome du sinus du tars est. Allez-y. Le syndrome du sinus du tars n'est pas connu par les rhumatologues, ou beaucoup de rhumatologues ne connaissent pas. En tout cas, je parle dans mon équipe et dans mon entourage à Tunis. Beaucoup ne connaissent pas, et c'est une cause de douleur importante. Dans la polyarthrite rhumatoïde, je vois beaucoup de malades, beaucoup, parce que je les vois en deuxième intention, qui ont des douleurs au niveau de l'arrière-pied par atteinte inflammatoire de la soutalienne, de la sauce astragalienne, donc la subtalienne, et si on les infiltre, ça les soulage de façon importante. Et si on ne fait pas le diagnostic d'atteinte de l'articulation donc soutalienne, on ne fait pas donc l'infiltration et on ne peut pas les améliorer, parce que ça peut prendre le masque d'une atteinte de la cheville. Et il faut faire la différence entre atteinte de la cheville dans la polyarthrite rhumatoïde ou dans le rhumatisme inflammatoire et atteinte de la soutalienne. Donc voilà l'articulation entre le talus et le calcaneus qui fait deux parties. Et là, c'est le sinus du tars. Donc ça peut donner des douleurs, une instabilité. Douleur surtout à la face externe du coup de pied, au niveau donc, de la cheville. Douleur donc, à la mobilisation. Il peut y avoir une instabilité. Et parfois une contracture des muscles fibulaires. Regardez, si on fait une entorse de la cheville, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on fait une entorse de la cheville, on fait une rupture du ligament collatéral latéral, le ligament latéral externe. Pas uniquement celui-là. Parfois, on fait une rupture du ligament en haie. Là, il y a une rupture. Parfois, il n'y a pas de rupture de ligament latéral externe, il y a juste une distension. Le malade, on le traite pour son entorse de la cheville. Il guérit de son entorse, il a mal. Et si vous examinez ce malade, vous cherchez les points douloureux au niveau donc, de ligament latéral externe, de ligament donc, collatéral latéral, vous n'allez pas de trouver des douleurs à ce niveau-là. Et le malade a mal. Et quand vous touchez le sinus du tars,
le malade saute au plafond, ça fait très mal. Et c'est ça le syndrome du sinus du tarse. Donc c'est une douleur au niveau, essentiellement au niveau donc, de l'orifice externe de ce sinus du tarse. Il faut y penser et vous allez guérir beaucoup de malades, beaucoup de malades. J'ai vu même des gens d'un certain niveau qui ont fait le tour et si on ne pense pas au syndrome du sinus du tarse, on ne fait pas de bon diagnostic et on ne peut pas traiter ces malades. Et généralement, ces malades, on va les aider par des orthèses, etc. Mais surtout, surtout l'infiltration au niveau du sinus du tarse, il faut savoir la faire. Ce n'est pas difficile donc, à faire. C'est à un travers de doigt, en avant et en bas de la malléole externe. D'ailleurs, vous trouvez une dépression. Et quand vous entrez avec l'aiguille pour faire l'infiltration, ça passe comme dans du beurre. Si vous touchez les os, vous n'avez pas de bon repère. Si vous avez le bon repère, ça rentre directement. Toute l'aiguille, la petite, parce qu'on n'a pas besoin de... Toute l'aiguille rentre au niveau du sinus du tarse. Bien sûr, la rééducation, les orthèses, bien sûr, c'est toujours utile, mais et aussi l'infiltration. Le syndrome du canal tarsien, c'est une cause de douleur encore. C'est donc le canal tarsien, c'est un peu comme le canal carpien, mais il est à la face interne donc, de la cheville, et on peut avoir l'atteinte de ces nerfs qui sont là, en particulier la branche calcanienne, qui peut donner des douleurs au niveau du calcanium. Et donc ce rameau calcanien peut donner des douleurs au niveau, quand il est atteint, des talalgies. Il faut y penser, c'est pas fréquent, mais c'est de beaux diagnostics à faire, mais c'est réellement pas fréquent du tout. Hein. Donc tout ce qui comprime, c'est un peu comme le canal carpien, s'il y a une compression, ça peut être des compressions vasculaires, des troubles statiques, les dilatations veineuses, les muscles accessoires, etc. Donc tout ce qui comprime cette racine, les racines donc à ce niveau-là nerveuse va donner des douleurs. Donc douleurs essentiellement plantaires, mais ça peut être justement uniquement des talalgies postérieures, parfois nocturnes, souvent mécaniques, talalgies sur le rameau calcanien et syndrome du nerf plantaire médial ou latéral, donc par compression, et ça donne des talalgies en particulier postérieure, on les traite comme on traite tout ce qui est syndrome canalaire, comme on fait. Et quand ça ne marche pas, bien sûr, on peut aller réséquer, on peut aller faire une neurolyse et couper le réticulum des fléchisseurs, ce réticulum qui est avec l'os calcanien, les éléments compressifs de cette région-là. Est-ce que vous avez des questions? Parce que maintenant, on va penser à des choses beaucoup plus rares. Est-ce que vous avez des questions? On peut avancer. Moi, si vous me laissez, je vais parler de 2 heures encore. Ne vous inquiétez pas pour moi. Oui, exactement. C'est ce que... La maladie de Lederhaus. Vous m'arrêtez quand vous voulez. C'est une dystrophie de la ponévrose plantaire. C'est comme la maladie du pitrin au niveau de la main. La différence, c'est que elle est méconnue, elle est peu symptomatique souvent. Et si on examine les malades, on peut trouver des petits nodules. Parfois, ils sont douloureux, mais ça ne donne pas, souvent indoloreux, ça ne donne pas de rétraction des orteils. Dans la maladie du putrin, ça donne des rétractions des doigts. Là, peut-être parce qu'on est sur la plante du pied, on ne laisse pas le temps pour que ça se fasse, peut-être, mais il n'y a pas de rétraction des orteils. C'est la seule différence. Et si vous passez à côté de ce diagnostic, ce n'est pas un problème, mais c'est bien de faire le beau diagnostic quand vous voyez ces petits nodules. Monsieur ou madame, vous avez des douleurs en rapport. Et quand c'est ces nodules qui sont douloureux, on peut aller les infiltrer. On n'aime pas beaucoup les infiltrations dans le pied, mais il faut le faire avec beaucoup d'asepsie. Et on peut aller les infiltrer.
on n'a rien à craindre à ce niveau-là. Rupture de cette zone-là, ce n'est pas gênant. L'algodystrophie, ça peut être tout le pied, mais ça peut être parcellaire au niveau de l'arrière-pied. Et quand c'est parcellaire, il faut y penser. Là aussi, il faut y penser quand un malade a déjà un traumatisme, quand il a fait porter un plâtre, etc. Et l'imagerie est là pour nous aider. L'étalagie inflammatoire, dans le cadre des rhumatismes inflammatoires, je n'y reviens pas. Avec cette belle image de M. Braun, au niveau, donc, débutante au niveau, donc, vous voyez l'érosion qui va se sossifier après et donner une épine calcanienne à base d'implantation large et un peu différente de l'épine calcanienne mécanique. Donc, si on va parler de traitement d'étalagie plantaire par épine calcanienne, on va passer rapidement le repos, les orthèses plantaires, l'infiltration de corticoïdes dans l'étalagie plantaire, on en fait presque systématiquement. Ça marche très bien dans l'étalagie plantaire par épine calcanienne mécanique. Ça marche très bien. Souvent, on soulage les malades, on les guérit. On ne les fait pas en première intention. On fait les autres éléments, la lutte contre l'obésité, la correction d'éventuels troubles statiques, les auto-étirements du système suro-achilio-calcanio-plantaire. Si vous voulez, on va aller voir l'hygiène de vie, les anti-inflammatoires, les antalgiques, peut-être pas les myorelaxants, et le port d'orthèse plantaire qui va permettre d'asseoir le talon avec une talonnette souple, compressible à 50% comme le dit Braun, et haute de 10 mm, donc pour soulager ces patients. Quelle orthèse prescrire? Donc celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Oui, c'est une question, bien sûr. Quelle orthèse prescrire? Pour ne pas trop tarder, ça ne sert à rien. C'est maximum 7 mm d'épaisseur, et c'est la cause qui fait que ça ne sert à rien. Donc là aussi, on ne peut pas aller plus que 10 mm. On fait cette zone qui est un peu plus souple, soi-disant qui va diminuer donc la contrainte avec l'épine calcanienne. On avait dit que ce n'est pas une épine, donc ce n'est pas utile. On peut la faire, vous voyez, excentrer plutôt du côté interne, parce que la douleur est maximum interne. Mais je dirais qu'elle est plus néfaste qu'utile. Parce que si vous faites une diminution donc en regard de cette douleur, de cette zone douloureuse, vous allez faire un valgus, ça va augmenter la tension à ce niveau sur la ponévrose plantaire et ça va augmenter les douleurs. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Hein, mais... Et les conseils de chaussage. Regardez cette chaussure avec un semelage souple. Celle-là, elle est très utile pour un pied avec tétalagie plantaire. Encore faut-il que le patient aime porter des chaussures comme ça, aussi laides que celle-là. Moi, je connais un policier, un chef de groupe de police à l'aéroport Tunis-Carthage, qui me reçoit tout le temps avec beaucoup d'amitié. Et ce type-là, on a infiltré, on a tout fait, et sa vie s'est améliorée en changeant de chaussage. Le chaussage est très important, les conseils de chaussage dans toute la podologie, c'est important, et en particulier dans l'étalagie plantaire. Regardez cette chaussure serpillière, comme le dit Braun, serpillière, il faut les proscrire. OK? Les infiltrations, vous connaissez très bien, est-ce qu'on les fait sous contrôle échographique ou à l'aveugle, parfois plantaire ou par voie latérale? Ça dépend de vos habitudes. Moi, je fais comme ça. Par voie latérale, je passe au-dessous donc, du calcaneus. Je sais où il y a la douleur. On peut s'aider par la douleur que ressent le malade à la palpation. Et on sait quand il faut s'arrêter pour injecter autour de cette insertion de la ponévrose plantaire. Donc ce n'est pas un point, l'épine, ce n'est pas un point. Donc c'est toute une zone. Et il est très rare qu'il y ait des talagies qui résistent à des infiltrations bien faites. S'il faut faire trois
infiltration. On peut commencer par une infiltration. Je dis aux malades, si vous avez plus aucune douleur, on ne fait pas d'autres, mais si vous avez même de petites douleurs, qu'on fasse trois et qu'on en finisse avec ces talagies plantaires dont vous souffrez. Donc, échographique ou guidée par la palpation, ça peut donner des calcifications. La kiné est très utile, si vous pouvez les faire, pour détendre le système siro-achilleo-calcaneo-plantaire. Regardez, il y a même des exercices en auto-rééducation. Donc, ce tendon calcanien, on va essayer de le... voilà, excusez-moi. Regardez, donc des exercices que m'a donné la kiné, la médecin physique avec qui on travaille, et ça aide ces patients-là. Les ondes de choc, il y a des gens qui passent directement aux ondes de choc, c'est possible. Moi, je préfère les garder aux échecs des infiltrations. Mais si vous commencez par les ondes de choc, il n'y a aucun problème. C'est surtout que si le malade, vous lui dites infiltration, non, non, je ne veux pas d'infiltration, vous pouvez le faire patienter. Et si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, il y a toujours la possibilité de les infiltrer. Donc, il y a parfois une accentuation des douleurs aux ondes de choc, les complications, des engourdissements, des dysesthésies, parfois des ecchymoses, des pétichies. Mais c'est un traitement qui n'est pas néfaste s'il n'est pas utile. Les gouttières de marche, les attelles nocturnes, ça peut aider. Adapter l'activité physique, poursuivre à domicile une auto-rééducation d'étirement, étirement en position debout, en position assise, comme vous l'aviez tout à l'heure, la cryothérapie, les exercices trois fois par jour pour avoir un bon effet, et chaque exercice répété 10 fois dans chaque série, et chaque étirement doit être maintenu 10 secondes. Donc, ça, c'est des conseils de médecin physique avec qui je travaille. Les injections de PRP, on n'y revient pas dans des tendinopathies, ça peut être utile. Donc, ça peut aider, ça peut participer donc, au traitement. Quand les proposer pour les formes résistantes, parce que c'est plutôt le sujet jeune, parce que est-ce qu'on fait une anesthésie associée? C'est toutes les questions que se posent les médecins qui font les PRP. Donc, la toxine botulique, ça peut aider aussi. L'injection au point douloureux au niveau de l'arche médiale et avec une amélioration dans des études uniquement ouvertes. Et quand on ne peut pas faire de corticoïdes, il y a des gens qui aiment infiltrer quand même, injecter, peuvent mettre l'acide hyaluronique, parce qu'on a dit que ça, on peut l'utiliser dans les tendinopathies, certains le font. La chirurgie, est-ce que c'est utile d'opérer des talalgies par épine calcanienne. Si on veut dire que le système siro-achilio-calcanio-plantaire qui est touché, on peut allonger les gastrocnémiens et allonger donc ce système siro-calcanio-plantaire, ça va diminuer la tension sur la ponivrose plantaire, mais aussi on peut faire une désinsertion de l'insertion de la ponivrose plantaire. Et en fait, ça, c'est réservé aux atteintes rebelles. Ça peut se faire par voie percutanée ou à ciel ouvert, mais vraiment en dernier ressort. Parce qu'il y a des effets iatrogènes de cette chirurgie. Et bien sûr, Olivier Lafenêtre, qui est un grand spécialiste orthopédiste du pied, lui, il dit qu'il a de bons résultats dans 87% des cas. Les orthopédistes, il n'y a pas dans la salle, les orthopédistes ont toujours de bons résultats quand ils veulent. Voilà, donc c'est ce qu'on avait dit en résumé pour les talagies, comment faire pour le diagnostic, pour arriver à la fin, donc au diagnostic que nous avons vu ensemble. Et donc, il faut penser à ce diagnostic-là. Ce n'est pas toujours la talalgie par épine calcanienne, les douleurs de l'arrière-pied, ce n'est pas toujours l'épine calcanienne, même si vous la voyez à la radio, ça peut être d'autres étiologies. Et si vous faites le bon diagnostic, c'est bien pour traiter vos malades. Et moi, comme tout le monde, on reçoit des malades vus par d'autres collègues,
et parfois, ah, il a vu une épine calcanienne, sans parfois même examiner le malade. Ah, vous avez une talalgie par épine calcanienne, on va vous infiltrer, alors que c'est peut-être une tendinopathie du tibial postérieur, un syndrome du sinus de Thals, etc. Je ne reviens pas sur le diagnostic. Donc, quand les douleurs sont postérieures, pensez à la tendinopathie calcanienne, à la maladie de Glund et à la maladie de Sever. L'étalagie inférieure, essentiellement l'aponeuvrosite plantaire ou syndrome dit de l'épine calcanienne. Et quand la douleur est plutôt interne ou externe, selon les cas, donc vous allez parler soit de tendinopathie du tibial postérieur si la douleur est interne, syndrome du sinus du Thals si la douleur est externe, et pensez au rare cas de syndrome du canal thracien avec l'atteinte du nerf calcanien. Et toujours, quelle que soit l'étiologie, pensez aux fractures de fatigue, pensez aux tumeurs, aux ostéites, aux causes rares, pour ne pas passer, vous, bon médecin, à côté de beaux diagnostics, une maladie de Paget, etc. Donc, en texte clinique, l'imagerie va nous aider. Je vous remercie.